Eh, comment tu me parles? Comment tu me parles? Je te mets là. Laura, c'était ma copine et qu'elle m'a éliminée. On n'a toujours pas eu d'explication. Moi, j'ai le seum contre elle. Du coup, vu que s'ils perdent le point, ben, on remporte l'épreuve collective. Je leur mets mon œil super puissant. Je te mets là. C'est quoi cette histoire? Je comprends pas pourquoi Nico a voté contre moi, je sais pas quoi. C'est vrai, tu comprenais pas? Non, ouais, c'est vrai, j'ai pas compris. Nico, il a pas d'affinité avec Mélanie, par exemple, forcément. Il a de l'affinité avec toi. Elle commence pas avec des trucs comme ça, non, par contre. Commence pas à inventer des situations qu'il n'a pas. Donc Laura s'énerve, mission accomplie. C'est le feu chez eux, et moi, tranquillement, je regarde ça de l'œil extérieur, je suis plus concerné. Laura, je peux te parler, s'il te plaît, juste toi et moi. Je suis en colère parce que Maëva a été éliminée lors de la cérémonie. Je pense que Laura n'aurait pas dû éliminer Maëva. Là qu'elle soit pris la tête, t'élimines pas une copine comme ça. Tu vois, chérie, il y a un truc que je comprends pas. Alors, tout à l'heure, certes, Maëva, elle est venue, elle aurait pu te le dire avec beaucoup plus de tact. Beaucoup plus de tact, oui, effectivement. Certes. Elle m'a agressée quand elle est venue me parler. Elle m'a mis un coup de pression. Écoute, j'ai 30 ans, ouais. Je n'ai pas à me prendre des coups de pression par quelqu'un de 21. Nous, on essaie d'éliminer Laura sans sourciller et j'assume totalement ma décision. Je suis vraiment déçu d'une force pas possible. Après toi être mon ami, m'enlève ma femme. Il me reproche encore l'élimination de Carla, sauf que nous c'était une décision collective. Il veut faire sa vengeance, je tiens à éliminer Laura. Je commence à réellement avoir la haine. Et moi je te l'ai dit clairement hier, on votera contre toi pour telle ou telle raison. Je veux dire, ce qui s'est passé avec Nico, j'en ai absolument rien à faire. T'es une fille qui n'a pas compté pour lui. Et ouais, absolument, ouais, votre histoire, je m'en fous. C'est bien, les mecs, ils arrangent à leur sauce, ça. Tu vois, faut pas déconner. Moi, je veux pas mettre entre vos couples parce que maintenant, je respecte que vous êtes fiancés. Ne t'invente pas une situation qui n'a jamais eu pour te faire valoir. Laura, elle est simplement jalouse. Elle arrive pas à accepter que son mec, il est sorti avec moi avant elle, qui m'a dit des mots doux. C'est le genre de fille qui veut qu'on lui dise simplement des choses à elle. En pression. Elle serait venue, écoute, après ça. D'accord. Après ça, pour moi, tu sais ce que tu es en train de faire? Tout le monde lui a dit. Pour moi, c'est une excuse, Laura. Non, il n'y a pas d'excuse. Moi, j'assume tout ce que je crie. Pourquoi tu cries? Parce que moi, je crie pas. Mais non, mais il n'y a pas tout. Quoi, tu veux m'embrouiller? Tu veux m'embrouiller pour Maëva? Pour moi, c'est une excuse. Mais tu sais pourquoi je veux t'embrouiller pour Maëva? Parce que de base, Mila, ça fait 10 jours qu'elle est avec Naka. C'est pas elle qui a fait dégager ta femme. C'était à l'unanimité. Mais là, tu prends la décision toi-même. T'inquiète pas. Il y a deux semaines que t'étais là chez moi, frère. C'est honteux ce que tu fais. T'élimines ma femme. On l'a pas éliminée. Regardez-vous dans les yeux avant de me regarder à moi. Tu sais quoi? Et ta femme? T'avais qu'à y aller avec ta femme alors. D'accord, mais ton mec il a qu'à te suivre alors. Et t'as juste voulu faire partie pour Mila. Je n'ai pas. Et à la place, ta copine c'est Maëva, c'est pas Mila. Je suis clairement choquée du comportement de Manon. Je suis H24 avec Manon. On est tout le temps ensemble. Et là, le fait qu'elle arrive et qu'elle défende corps et âme Maëva. Mais en fait, elle a pas de figure. Je lui ai mis l'œil. Voilà. Je te jure, j'ai un œil puissant, moi. Mais ton œil, il marche pas avec moi, ma sœur. Ah si, mais il a très bien marché, la preuve, t'as perdu. Ah, parle pas avec moi, sage traître, grosse jalouse, t'as perdu. Allez, bien marché avec toi. Parle pas avec moi, j'ai pas ton temps. J'ai pas ton temps. C'est moi qui te parle, mais tu es une traître, tu es une jalouse. Vous êtes un couple de jalouse. Jalouse de quoi? Oui, t'es jalouse de moi. Tu m'as sorti, tu es jalouse de moi. Je t'ai manqué de vie. Mais oui, tous les deux. Nous, on s'en va tous les deux. On est comme ça. Ouais, tu as raison, comme ça. Allez, forza. Ça clash très fort entre Kevin et moi, voilà, je pense que là, on va arrêter les barbecues, on va tout arrêter, en fait. Parce que s'il n'est pas capable de savoir qui vraiment a éliminé sa femme, alors que toute sa famille voulait éliminer sa femme et qu'il me fait, à moi, payer les pots cassés, je pense que c'est pas mon ami. Maintenant, je comprends que tu sois énervé. Tu peux t'énerver, tu peux. On la connaît, pourquoi elle est pas venue me voir tout à l'heure? Pourquoi elle est pas venue me voir tout à l'heure? Mais alors, viens me voir, on en parle, on est en train de se hurler dessus. Ça ne sert à rien. Ça veut pas dire que tu vas m'éliminer. Alors arrête un peu. Tu préfères garder le mec d'une copine plutôt qu'une copine. À la base, il voulait que je vienne l'année passée ici avec lui. Alors arrête, Laura. Mais qui est passé ici? Mais tu veux que je te dise quoi? Mais je respecte. Il s'est servi de toi. J'ai rien dit de mal. J'ai juste dit, je comprends pas pourquoi Rico voulait. Il a dit, il t'a vu en vrai. Ça a duré deux jours, il s'est barré. Moi, franchement, elle m'énerve. En gros, tout le long de l'aventure, elle m'a fait croire que c'était une histoire qui avait pas compté pour elle, exprès pour pas avoir de problème avec moi. Et là, stupéfaction, elle me parle de son passé comme s'il y avait eu une relation avec mariage et bébé entre Nico et elle. Mais là, elle commence à me monter, en fait. On se la porte à l'heure, tu
tu ressembles à rien. Maëva qui continue à vouloir me provoquer, et ben franchement, elle va me trouver. Parce qu'à un moment donné, quand tu veux porter l'œil aux gens, c'est que t'es mauvaise. T'es très mauvaise. Moi, je te calcule pas depuis le début. J'en ai absolument rien à faire de toi. Toi, par contre, je pense que t'es fan de moi, en fait. Merci. Laura, elle arrivera pas à me faire croire qu'elle a éliminé Maëva juste parce qu'elle lui a mal parlé. Au bout d'un moment, on connaît tous Maëva. On sait que des fois, elle manque de tact. En revanche, pour moi, c'est une excuse. C'est juste parce que Mila lui a demandé de sauver Naka et que du coup, elle savait pas trop comment le faire. Du coup, bah, elle met ça sur le dos de l'embout de cet après-midi. Ma chérie, je serai là bien avant toi et je serai là bien après toi. Donc maintenant, s'il te plaît, je vais rester à ta place. Pourquoi tu es obligée de faire des punchlines dès le matin, toi? Oh! Oh, dis-moi. Pourquoi t'es obligée de gueuler comme ça? Pourquoi tu me dis, oh, j'entends un truc, je vais l'avoir normalement, d'accord? Je suis désolée à partir de ce moment-là, si on ne me manque pas de respect quoi que ce soit. Casse-toi. Allez, arrête de parler, arrête de parler. T'es jalouse, toi et ton. T'es en bas de bâtiment. Jalouse de quoi? Mais t'écoute, regardez, il a bien marché, t'as perdu. Voilà, c'est bon. Mais. Arrête, tu vas pas. T'es une traître. Allez, ça va, allez. Maïva, stop. S'il te plaît. Maïva, stop. À la maison. S'il te plaît, on parle à la maison. Grosse traître. Stop. Stop. Eh, hey, comment tu me parles? Comment tu me parles? Tu n'as aucun respect, que ce soit pour toi-même ou pour ta femme. Qu'est-ce que je fais de Donc alors matin, arrête. Comme ça. Est-ce que je t'ai dit quelque chose à Qu'est-ce toi que Est-ce que je t'ai dit quelque chose à toi cela, Je crie si j'ai envie de crier parce que j'ai des raisons de crier, d'accord? Les Marseillais, je répète, vous avez donc décidé d'éliminer Laura. Vous confirmez? Confirmé, oui. Ouais, confirmé. D'abord, moi je vais la suivre, ma femme, t'inquiète pas. Moi je l'ai, mais je m'en bats les couilles. D'accord. Mec. La compétition, je vais donner ma place de chef. J'aurais tout donné, maintenant je vais. Voilà. D'accord. Eh bien, du coup, on aura fait le bon choix. C'est quoi les raisons? Donc à un moment donné, quand tu essayes de savoir, tu me dis pas un mot, casse-toi, t'as compris? C'est quoi Parce que sinon, les raisons? C'est toi qui va dégager, c'est clair ou pas? Dégage. Laura, je la trouve trop excessive, elle le sait. Je déteste cette facette d'elle. Je suis fiancé avec Laura, ça fait plus d'un an. Et notre première dispute de cette aventure, c'est à cause de choupinette. C'est que notre couple, c'est pas très solide.